Britney Spears se confie en exclusivité lundi 1er décembre à 20h45 sur NT1. Rumeur, il s'agit du dernier clip de la chanteuse américaine Beyoncé, Single Lady. Un clip qui fait scandale. Regardez bien cette danseuse à gauche de l'image. Selon certains, il s'agirait en fait d'un travesti. Un travesti dans le clip de Beyoncé, cette rumeur a pris tellement d'importance sur Internet que la chanteuse a décidé d'en rire. Samedi dernier, dans une célèbre émission comique américaine, Beyoncé a parodié son propre clip avec cette fois trois danseurs bien masculins derrière elle. Et parmi eux, une star, le chanteur Justin Timberlake. L'occasion de découvrir Justin en collant est à l'ombre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est à fond dans son rôle, la chorégraphie est vraiment au poil et plutôt suggestive. There's something that just doesn't feel right. Ah non, pourquoi ? C'était vendredi dernier à Paris. La jeune star américaine Lindsay Lohan arrive dans une boîte de nuit accompagnée de sa petite amie, la DJ Samantha Ronson, quand soudain... Un sac de farine lui a été renversé dessus. L'auteur de cet attentat est en fait une militante anti-fourrure. Why did you do that? She was so hot! She was so On la voit ici quitter à vive allure la scène du crime. La nouvelle de cette agression a vite fait le tour du monde. Il faut dire que Samantha Ronson, que l'on voit ici suivre Lindsay comme si de rien n'était, a mis de l'huile sur le feu. Elle a sur Internet condamné cet acte en comparant cet activiste à un animal sauvage et en expliquant que gâcher la nourriture c'est mal. À la PETA, association qui défend le droit des animaux, on se félicite de cette action. C'est anodin dans le sens où c'est que de la farine et que ça fait beaucoup de bruit. Alors que d'habitude, on ne fait pas autant de bruit sur les animaux morts que porte malheureusement Lindsay Lohan à longueur d'année. On ne sait pas encore si depuis cette attaque, Lindsay a changé un peu sa garde-robe.